Salam à tous les amis, donc on reprend la Torah 18 du Likutei Moharan, Baruch Hashem. On est en plein milieu, enfin fin de la lettre Vav, pour ceux qui reprennent en cours, vous avez le texte sur l'écran, fin de la lettre Vav de la Torah 18. Donc on était en train d'expliquer que justement, donc, on reprend la petite histoire de la Gemara sur laquelle Rabbi Nachman de Breslev, il a dévoilé tous les secrets qui étaient renfermés dans cette histoire mystique, un peu merveilleuse, fantastique de la Gemara. Donc il y avait ils étaient en pleine mer, et voilà qu'ils ont vu dans la mer une boîte qui était ornée de plein de pierres précieuses. Et il y a le Bar Amorae, un plongeur qui a sauté dans la mer pour essayer d'aller attraper ce coffret de pierres précieuses, qui avait des pierres précieuses autour. Et il y avait un poisson qui s'appelait le Bircha, qui était autour de ce coffret et qui protégeait un peu le coffret. Quand le plongeur a voulu récupérer le coffret, le poisson il a voulu le mordre à la jambe. Lui, il a pris le plongeur un jet de vinaigre, il l'a envoyé. Le poisson, il s'est écarté, il est parti dans les profondeurs. Et quand il a voulu saisir la boîte, il y a une voix céleste qui est sortie, qui lui a dit « Qui c'est qui veut maintenant, qui veut oser prendre la boîte qui appartient à la femme de Rabbi Hanina ben Dosa, dans laquelle elle doit déposer le techelet, le bleu azur qu'on va utiliser pour les titit, pour les tzadikim, les atit lavo, quand il y aura ma chère tzitkeno. » Et là, on avait expliqué très brièvement que la boîte, ça veut dire arga, ça veut dire roguet, c'est la colère, et les pierres précieuses, ça représentait la miséricorde, et qu'en fait, il se cachait ici, dans cette boîte avec les pierres précieuses, la notion du dirigeant du Ham Israël, du tzadik du Ham Israël, de celui qui doit prendre la direction du Ham Israël, que l'on peut connaître et qui peut se dévoiler à nous si on sait transformer notre colère en miséricorde. Si on sait, lorsqu'on veut se mettre en colère, eh ben, avoir la Emouna, que c'est Hachem qui gère la situation et que Hachem, ce qu'il fait, c'est pour le bien et que je n'ai pas lieu de me mettre en colère, mais que je vais maintenant calmer ma colère et la transformer en pitié pour la personne qui est en face de moi, eh ben, à ce moment-là, ça nous permet d'avoir accès à ce coffret de pierres précieuses qui est en fait le tzadik, qui lui connaît en fait le but de ce monde-là et les plaisirs cachés qui vont se dévoiler à la fin des temps de ce monde-là, qui sont les plaisirs du monde futur, qui sont empruntés par tout ça, c'est empruntés par la boîte avec les pierres précieuses. Et donc, ça nous donne accès au tzadik et ça nous permet de dévoiler le tzadik dans le monde, que le tzadik lui-même, il peut se dévoiler dans le monde, que c'est lui le dirigeant du Ham Israël. Ça, c'est une première chose. On a vu ensuite que le plongeur, le Bar Amorae, ça représente un dirigeant qui veut prendre le pouvoir et qui est en fait, qui a encore de Bar Amorae, il a encore des Emori, la notion de Emori, c'est des fausses croyances. C'est un peuple qui était en Israël, en Eretz Canaan, qui était rempli de fausses croyances. Et donc, ce dirigeant-là, il n'a pas une foi totale et il veut prendre le pouvoir du Ham Israël. Donc, on nous a dit qu'à ce moment-là, il y a le poisson qui est autour. Il représente la Emouna. La Emouna, elle va protéger le trône du dirigeant du Ham Israël et elle va le faire tomber. Comment elle va lui retirer, en fait, la direction du Ham Israël? Elle va le faire tomber dans la haine des Chachamim. On l'avait vu très rapidement, je vous renvoie au cours précédent, que pour pouvoir être un dirigeant du Ham Israël, il faut aimer la sagesse, il faut aimer les sages du Ham Israël. Et si on n'a pas de conseiller et qu'on n'aime pas les sages du Ham Israël, alors que Dieu nous en préserve, eh ben, le dirigeant du Ham Israël, il ne peut plus avoir les bons conseils pour gérer son royaume et il va perdre sa royauté. Et on a dit que maintenant, le dirigeant, il peut malgré tout s'entêter à rentrer complètement dans l'hérésie, complètement dans l'incroyance en Dieu. Et à ce moment-là, il va détacher la Emouna qui protégeait le poste de dirigeant du Ham Israël. Il va réussir à la repousser. C'est ça le poisson qui a été écarté par le vinaigre. Et à ce moment-là, il peut quand même essayer de prendre le trône de la direction du Ham Israël. Et on a dit, qu'est-ce qui va se passer à Kadosh Baruch Hu? À ce moment-là, il y a une voix céleste qui sort et qui vient, qui nous dit, mais qui tu es, toi, pour pouvoir prendre le trône de la direction du Ham Israël? Qu'est-ce que tu veux faire, cette boîte que tu veux prendre? Cette boîte avec les pierres précieuses, c'est la boîte de la femme de Rabbi Hanina ben Dosa. On avait dit Rabbi Hanina ben Dosa, il représentait la Emouna Shlema, c'était le tzadik de sa génération qui avait une foi totale. Et sa femme, elle représentait, on avait dit en fait, la perfection, celui qui maîtrise avec perfection les lettres saintes par lesquelles Dieu il a créé le monde. On avait dit que Eshet, de la femme de Rabbi Hanina ben Dosa, Eshet, c'était Avanim Shlemot Tivne, c'est les initiales de Avanim Shlemot Tivne, c'est le mot Eshet. C'est des pierres totales, tu vas construire. De quelles pierres on parle? On parle des pierres avec lesquelles il a construit le monde. Je vois qu'il a construit le monde, ce n'est pas avec des pierres physiques. Baruch, Shahamar, Vayaolam, béni soit celui qui a parlé et qui a créé le monde. Dieu, il a créé le monde par la parole. Il a créé le monde par des lettres de la Torah, par les lettres qu'il a articulées, Kaviachol, si on peut dire ainsi, Kadosh Baruch Hu. Ces lettres-là, hein, eh ben, en réalité, c'est avec ça qu'Hachem a créé le monde. On a dit que dans les lettres, il y a ce qui va parfaire chaque lettre, c'est le Yud. Le monde, il a été créé avec ce monde-ci a été créé avec la lettre He. Le monde futur a été créé avec la lettre Yud, comme on dit Beya, Hachem sur Olanim, par le Yud et le He, Hachem, il a créé les mondes. Donc on a dit que le Yud, le He, c'est ce monde-là, il a été créé avec ce monde-là, et le Yud, ça représente le monde futur pour lequel Dieu il a créé le monde futur.
Et toutes les lettres, pour finir une lettre, n'importe quelle, on avait vu qu'il faut utiliser un yud. Le yud, il commence une lettre, le yud, il termine une lettre, le yud, il ressemble à un point. C'est cette succession de points qui permet de former chaque lettre et qui va parfaire chaque lettre et qui va donner la forme et donc le but que renferme chaque lettre, qui est en réalité chaque lettre une parcelle qui permet de construire ce monde-là. C'est une pierre de construction de ce monde-là. D'accord ? Donc, on a dit que la perfection de ce monde, de toutes les lettres de la Torah et donc de toute la compréhension de la construction de ce monde-là, c'est le yud, c'est le but de tous les buts, c'est le monde futur. Et ça, c'est le tzaddik, c'est le dirigeant du Ham Israël qui a une foi totale, qui lui, il va pouvoir accéder, il a accès au monde futur dans ce monde-là. Il peut nous donner accès à l'humanité entière, au plaisir et à la compréhension et au but du monde et au plaisir du monde futur dans ce monde-là. Tout ça, c'est le tzaddik qui y a accès, d'accord ? Et donc, on reprend dans les mots. Donc, quand le Bar Amorae, maintenant le dirigeant incroyant, il veut prendre le trône céleste, on lui dit, dis-moi, est-ce que tu as une foi totale ? Est-ce que toi, tu as compris les secrets de la création ? Est-ce que toi, tu as accès à ce Yud qui représente le monde futur pour pouvoir être le dirigeant du Ham Israël qui, lui, est censé pouvoir amener l'humanité, bah, l'amener à son but, au but pourquoi chaque être humain a été créé, c'est pour connaître Hachem, que tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien, que tout ce qu'Hachem, il est que Tov, et d'amener l'humanité entière à cette conscience-là. Donc, c'est un peu ce que cette voix céleste est en train de dire. Et voilà que c'est marqué, Vezé Bechina Techelet. En réalité, qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte ? On a dit dans la boîte, on a dit c'était la boîte de la femme de Rabbi Chena ben Dosa où elle devait y déposer le Techelet. C'est quoi le Techelet ? C'est le bleu azur qu'il va y avoir à la fin des temps pour le Tzitzit. Or, Techelet, chez Bechina Tachlit. Techelet, ça représente le mot Tachlit. Tachlit, c'est le but. Elle va y déposer ici, la femme de Rabbi Chena ben Dosa, eh ben, le secret de tout le but de la création qui va se dévoiler à la fin des temps. Qui est bien évidemment la connaissance, la conscience d'Akadosh Baruch Hu, mais ça se représente, le but se représente par le Techelet. Nidgale betorcha kartadita. Justement, ce Techelet-là, ce but-là de la création du monde, il se dévoile dans cette boîte de pierres précieuses qui était enfouie dans les fonds marins. Betorcha manigud wa malchut kanal. Et donc, on avait expliqué que cette boîte donc, représente la direction du Ham Israël, le dirigeant du Ham Israël. Donc, c'est que le but du monde et les plaisirs pour lesquels le monde a été créé, ils sont contenus, ils sont cachés chez le dirigeant du Ham Israël. Chez le tzaddik, d'accord ? Chez l'aide, et chez Rabbi Chena ben Dosa, à l'aide, avalim shlimotivne, le tzaddik ayal et alma d'ate, chez tzaddikim asigim atachrin, chez alma d'ate. Et donc, la voix céleste, elle dit, en fait, à ce dirigeant qui n'est pas suffisamment croyant et qui a renié complètement sa croyance pour pouvoir essayer de prendre avec force le trône du Ham Israël, elle lui dit donc, c'est seulement le dirigeant qui, lui, il est dans la dimension de la femme de Rabbi Chena ben Dosa. C'est-à-dire le dirigeant qui est une émouna totale et qui a pu donc avoir accès à la perfection, à comprendre parfaitement le secret des pierres avec lesquelles Hachem a créé le monde, le secret des lettres de la Torah, et donc arriver à cette perfection de chaque lettre de la Torah qui est le Yud, qui est la conscience et la compréhension du monde futur, c'est que ce tzaddik-là, c'est que celui qui est à ce niveau-là, qui peut prendre la direction du Ham Israël. Chez tzaddikim, asigim atachlit, parce qu'il n'y a que les tzaddikim véritables qui peuvent percevoir véritablement dans ce monde-là le but du monde futur qui normalement n'est pas accessible à un œil humain. Chez où Alma Deate, que ça représente en fait le monde futur. Ok, donc le Rav nous explique, j'espère que la maman qui est Had, Berketzad, Inan Zen, Ogel, Echol, Echad, Metano, Ukar. Donc le Rav nous dit, je fais un résumé, je vais vous expliquer un petit peu comment tout ce maman on peut le comprendre pour nous, en pratique pour nous. Donc il nous dit, la royauté du dirigeant du Ham Israël qui doit amener chez chacun d'entre nous, c'est la Emouna. La royauté d'Hachem, elle se manifeste par la émouna de chacun d'entre nous et par la émouna, la foi du dirigeant du Ham Israël. Et ça se trouve où ? Ça se trouve, cette émouna, et donc La royauté, c'est la parole. Parce qu'on a dit qu'un dirigeant, un dirigeant, il dirige par sa parole. On a expliqué que malchut, paix, pour diriger, ben, n'importe qui, un directeur, on va dire un chef d'entreprise, un père de famille, etc., il dirige sa maison ou son entreprise par la parole, un roi il dirige son royaume par la parole, par ses décrets, et la perfection de la parole, la perfection des lettres qui vont articuler la parole, c'est la émouna, c'est la foi. La foi va faire que quand tu vas parler, eh ben, tu vas parler vraiment comme un dirigeant à l'image d'Hachem, tu vas parler pour pouvoir faire connaître Akadosh Baruch Hu, et ça, c'est la émouna qui donne la perfection de la parole, qui donne accès à la royauté. Et où est-ce qu'on trouve cette émouna qui permet de parfaire la parole et qui permet d'être dans la vraie royauté d'Hachem? On la retrouve chez les tzaddikim. Et les tzadikim, lorsque eux, ils vont accéder à la couronne de la direction du Ham Israël, par le fait que nous, on ne va pas se mettre en colère, par le fait qu'on va transformer notre colère en pitié, et bien à ce moment-là, eux, ils reçoivent la couronne de la royauté et ils ont accès au secret de la lettre Yud
qui est le but de ce monde-là, qui est le monde futur, qui est les plaisirs du monde futur. Et dès ce monde-là, ils peuvent recevoir, eux, la compréhension du monde futur. Et ils vont nous éclairer à nous en retour, chacun des âmes d'Israël, de cet avant-goût du monde futur dans ce monde-là. Et chacun, en fonction de la racine de notre âme, comment on va s'enraciner dans le tzaddik, eh ben, on va pouvoir recevoir du tzaddik ce but pour lequel on a été créé, le fait de remercier Kadosh Baruch Hu sur chaque chose, de sentir que tout est pour le bien. Tout ça en fonction de combien nous, on va annuler notre colère et la transformer en pitié, on va mériter de s'inclure dans le tzaddik, et le tzaddik va nous éclairer dans notre conscience, de la conscience du monde futur. Donc, il se trouve donc, en réalité, que tout le but et toute la volonté des tzaddikim, c'est de recevoir la royauté de Kadosh Baruch Hu. Pourquoi ? Pour diriger le Ham Israël uniquement pour nous rapprocher encore plus, chacun d'entre nous, du but pour lequel on a été créé. Et c'est quoi ce but ? C'était Chelet, ce bleu azur, qui est le but de la création, c'est de connaître Hachem déjà dans ce monde-là. D'avoir la conscience d'Hachem déjà dans ce monde-là, cette conscience que tout est pour le bien qui va se dévoiler à la fin des temps, la conscience qu'il n'y a pas de mal dans ce monde. Ça, de pouvoir l'accéder dans ce monde-là, c'est grâce au tzaddik. Et grâce au fait que nous, on va calmer notre colère et qu'on va la transformer en miséricorde et en pitié. Et grâce à ça, on comprend maintenant ce qu'elle lui a dit, la voix céleste, à ce dirigeant hérétique qui a voulu prendre la place du dirigeant du Ham Israël. Elle lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux toucher maintenant à la royauté du Ham Israël? Tu ne vas rien toucher à la royauté du Ham Israël. Tu veux prendre la boîte de pierres précieuses, tu veux devenir un dirigeant du Ham Israël. N'est-ce pas qu'en réalité, c'est impossible pour toi? Pourquoi? Parce que la royauté en elle-même, elle éclaire, elle irradie la lumière du monde futur, la lumière du Olam Haba, qui est la dimension de la émouna totale. Et toi, tu n'as rien à voir, tu es dans l'hérésie totale. Toi, tu es dans l'hérésie totale et tu veux maintenant prendre la place du dirigeant du Ham Israël, que le dirigeant du Ham Israël, toute sa mission, c'est de dévoiler la lumière du monde futur, la émouna totale. Alors, tu n'as rien à voir avec ça. Toi qui est hérétique, qui est un dirigeant hérétique, tu n'as rien à voir avec la direction du Ham Israël. Parce que la direction du Ham Israël, c'est quoi? C'est faire briller dans l'humanité, dans le cœur de chacun d'entre nous, la émouna d'Hachem totale, que tout le monde connaisse Hachem. Donc il nous dit, celui maintenant qui veut prendre la royauté, la direction du Ham Israël, par l'hérésie, par l'incroyance en Hakadosh Baruch Hu, alors il n'a aucune capacité de pouvoir saisir la royauté de la Kedusha, la royauté sainte du Ham Israël. C'est pourquoi la voix céleste, elle lui a dit, Mamash, précisément à ce Bar Emoraï, que toi maintenant, tu n'as rien à faire ici, d'accord? Et que cette voix céleste, d'où elle est sortie? Elle est sortie du ciel. La voix céleste, c'est une voix qui sort du ciel. Pourquoi précisément elle est sortie du ciel? Parce que le ciel, il représente le monde futur. Ou là-bas, c'est évident dans le monde futur, dans le ciel, là-bas où il n'y a pas de libre arbitre, où là-bas on voit que Kadosh Baruch Hu, c'est évident que les hérétiques, ils n'ont aucune part dans la direction du monde. Ils peuvent pas prendre, ils ont aucune place dans la direction du monde, la plus forte façon dans la direction du Ham Israël. D'accord? Tandis que dans ce monde-là, hein, dans ce monde-là, quand on est en bas, quand on n'est pas dans le ciel, c'est la voix céleste est sortie du ciel, de la conscience du monde futur, où là-bas on voit tout, où tout est clair. Mais dans ce qu'on est sur Terre, là-bas, ce n'est pas clair. Là-bas, on peut croire qu'il peut y avoir des dirigeants incroyants, des dirigeants qui sont hérétiques, qui peuvent diriger. Ça, c'est du shaker, c'est que de l'apparence. Et c'est pour ça que la voix céleste, elle est sortie du ciel. Pour dire, tu sais, dans le ciel, on sait que toi, tu n'as rien à faire avec la royauté d'Am Israël. Mais Zébechinat, Bechol Derachecha Da'ehu. Et c'est ça la dimension qui est marquée dans Michelet, nous dit Shlomo HaMelech. Dans tous tes chemins, Da'ehu. Da'ehu, ce n'est pas une marque de voiture, les amis. Da'ehu, c'est tu vas le connaître. Da'ehu, tu vas connaître Hachem dans tous tes chemins, quand tu es en vacances, quand tu es au travail, quand tu es au Beit HaMidrash, quand tu es avec ta femme, quand tu es tout seul. Tu dois dans tous tes chemins te lier à Hachem. Da'ehu, c'est avoir la conscience d'Hachem, que tout est pour le bien, qu'Hachem est avec toi, qu'Hachem t'aime. Et d'avoir cette conscience-là et cette crainte d'Akadosh Baruch Hu, cet amour et cette crainte d'Akadosh Baruch Hu, que dans chaque pas de ta vie, d'accord, dans tout ce que tu fais, tu dois comprendre qu'est-ce qu'Hachem veut de toi. C'est ça le but. C'est ça le but, c'est d'avoir cette conscience-là dans chaque instant de ta vie, que tout vient d'Hachem, et qu'est-ce qu'Hachem veut de toi ici? Comment Hachem veut te rapprocher de lui ici, etc. Chez Yuchal Adam, la Sekatarit Bechol Davar. Qu'un âme, il va pouvoir, c'est ça le but, c'est qu'un âme, il puisse percevoir le but de chaque chose. Rappelez-vous, la Torah Alev, de l'écouter Moharan, un Ish Israéli, c'est un juif qui est capable, c'est un homme qui est capable de voir l'intellect divin, le message divin, les allusions divines qui sont cachées dans chaque événement de sa vie. Et ça, c'est grâce au Tzadik qu'on y a accès. C'est ça le dirigeant du Ham Israël qui nous amène à pouvoir comprendre le but de chaque chose. Pourquoi je suis ici? Pourquoi je suis en vacances ici? Pourquoi je me retrouve à Yerushalayim ici? Pourquoi je parle avec telle personne? Pourquoi, etc., etc. Ça, c'est le tzaddik qui nous le dévoile. Et nous, on y a accès quand on calme notre colère et qu'on va la transformer en pitié. Au passage, juste au passage, quand même, c'est important parce que j'ai vu que ça a circulé un peu sur les groupes et ça rejoint cette Torah-là. Vous savez que Rabbi Nachman, Rabbi Nakadosh, il nous dit dans une autre Torah de l'écouté Moran qu'au moment où une personne elle doit recevoir de la richesse ou elle doit recevoir de l'argent, de l'abondance matérielle, et ben, comme ça provient de la même racine que la colère, et ben, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On a mis cette,
cette opportunité de recevoir de l'argent par une épreuve de colère. Et si la personne, elle arrive à casser sa colère, tenir dans sa émouna, alors elle fait un réceptacle pour recevoir justement l'abondance qu'elle doit recevoir. Et bien, effectivement, cette coffret de pierres précieuses, on a dit cette argaz, c'est le coffret, hein, d'accord ? Et Avanim, c'est les pierres précieuses qui étaient autour. On a dit argaz, c'est rogez, argaz, c'est la colère, d'accord ? Le coffret représente la colère. Et bien, si jamais tu sais ne pas te mettre en colère, et bien, sache que dans la colère, qu'est-ce qui se cache ? Dans l'épreuve de la colère, un coffret de pierres précieuses, mon ami. Un coffret de pierres précieuses, l'argent que Hachem voulait t'envoyer pour ta femme, pour tes enfants, pour ce que tu vas faire comme dans ta mission, il se cache dans ce coffret de pierres précieuses, dans cette colère qui est en derrière cette épreuve de colère, derrière cet enfant qui vient là et qui te manque de respect de manière comme ça, ou ton ami, ou ton associé, ou quelqu'un, peu importe, et, ou un événement de la vie qui veut te mettre en colère, ta femme qui t'a mal parlé, qui ne veut pas te laisser aller faire ce que tu dois faire, aller à Ouman plus tôt, peu importe, et bien sache que c'est un coffret de pierres précieuses. Le coffret argas et rogues, c'est la colère. Et si tu sais que c'est ta colère, maman, je parle à Emouna, je fais moi que tu m'en accueilles beaucoup, alors tu es digne de recevoir la royauté, de pouvoir recevoir l'argent que Hachem veut te donner pour pouvoir diriger et faire ta mission que tu as à faire avec. Je ferme la parenthèse, c'était un petit redouche du Rav Darland sur cette Torah-là que j'avais lue, et je voulais vous le glisser au passage. Donc on reprend. Donc dans chaque chemin, c'est la notion de dans chaque chemin, dans chaque chemin, tu dois connaître Hachem, c'est ça le but. Il doit pouvoir maintenant entreapercevoir et comprendre la raison de chaque chose, les allusions d'Hachem qui lui parle dans chaque instant. Hachem, il te parle à chaque instant. C'est grâce à lui que tu vas entendre Hachem et tu vas comprendre ce qu'Hachem veut de toi. Qui colle d'avant Nivra Beotiot. Parce que les amis, tout ce qui a été créé sur terre, ça a été créé par des lettres divines que Dieu il a articulées. Ou Bechol Ot Yeshbosh Lemout. Et dans chaque lettre, il y a une perfection de la lettre, de la comprendre. Elle a un but, cette lettre. Chaque lettre, elle a un but. Dieu, quand il a dit cette lettre-là, elle a créé une réalité matérielle dans ce monde-là. Donc, cette lettre-là, elle avait un but qui a été dirigé, ce but, par la volonté divine qu'elle renferme. Quand Dieu, il a dit Bereshit, il a mis dans chaque lettre du mot Bereshit, il a mis dans chaque lettre une kavana, une direction, une chorma infinie, de la génétique, de l'ADN, tout ce que tu veux pour construire en réalité une réalité. Donc, chaque lettre, elle renferme à l'intérieur d'elle un but. Et la perfection de la lettre, c'est quand tu arrives à percevoir le but qui est renfermé dans chaque lettre. Aïnou aïnekouda acharona. Et c'est quoi la perfection de chaque lettre? C'est le point final qui va finaliser la lettre. La lettre, quand elle va se terminer, pour qu'elle soit parfaite et qu'on arrive à la lire correctement et à la comprendre, il faut que la lettre elle soit bien parfaite, bien entière. Et c'est quoi ce point final qui parfait la lettre? Chez Yud, c'est le Yud. Rappelez-vous qu'on a dit qu'un dalet ici, si je ne mets pas le Yud à la fin ici pour bien terminer, un petit point ici, ça fait un resh. Donc la lettre va être tordue. Donc pour qu'elle soit parfaite, la lettre, il faut bien rajouter le dernier point final pour que la lettre soit bien claire. C'est le Yud. Behinat Olam Haba, on a dit le Yud. C'est avec le Yud que Dieu a créé le monde futur. D'accord ? Le Yud, c'est la plus petite des lettres. C'est la lettre qui représente l'humilité. C'est la lettre qui est justement. Le Yud, c'est la Chorma. C'est marqué Yud, Chorma, Keduma. Le Yud, il représente la sagesse. C'est la sagesse de savoir que tu es tout petit, savoir se laisser faire tout petit. Le Yud, il est courbé. C'est celui qui s'est baissé la tête. Parce que la plus grande sagesse, c'est savoir que tu es devant un Kodesh Borou, qu'on n'est rien sans un Kodesh Borou. C'est ça tout le monde futur. Rabbi Nachman, il dit que chacun, il aura la résurrection des morts et sa vie du monde futur qui va dépendre de l'humilité qu'il aura acquis dans sa vie. Donc on comprend que le Yud, c'est la plus petite des lettres qui représente le monde futur. Là, c'est des petites allusions pour comprendre un peu pourquoi le Yud est le monde futur. Chez Yatachlit, donc en fait, la perfection de chaque lettre, elle s'est parfaite par le Yud. Et le Yud, c'est quoi? C'est le but. C'est le monde futur, c'est ça le but. On est là sur Terre pour le but. Rabbi Nachman, il dit que dès que tu ouvres les yeux, dès que tu ouvres les yeux le matin, il faut que la première pensée avant Modéani, avant quoi que ce soit, tu dois dire, je ne suis pas là pour ce monde-là. Je ne suis pas là pour ramener des patates à la maison. Je suis là pour le monde futur. Je suis là pour le monde futur. Je suis là pour la Yirat Hashem, la conscience d'Hashem, pour la Emouna, pour connaître Hashem. Dès que tu te réveilles, il ne faut pas que tu sois un marchand de patates. Il ne faut pas que tu te fasses rouler. Tu es là pour ramener des diamants. Tu es là pour ramener des pierres précieuses avec toi pour le monde futur. Ça, c'est la Torah, les mitzvot, c'est la Emouna, c'est la recherche du tzaddik. Zéanian, pourquoi tu es là? Et ça, il faut y penser dès le début de la journée, dit Rabbi Makadosh. En tout cas, c'est grâce au tzaddik qu'on peut arriver à cette dimension de dans chaque chemin, tu vas connaître Hachem, tu vas arriver au but qu'Hachem veut de toi dans chaque chose, qui est le but du monde futur. C'est le Yud qui permet de parfaire chaque lettre à Mashlim, Tumuna Ta'ot, ce Yud qui représente le monde futur, qui est le point qui va parfaire chaque lettre et qui va donner à chaque lettre son sens et qui va te permettre de comprendre chaque chose. Parce que dans chaque chose de ce monde-là, il y a un but. Et dans chaque but, il y a encore un but qui est encore plus élevé derrière. Il y a un but qui renferme un autre but. Et le but de tous les buts, le but final, c'est les plaisirs du monde futur. Que c'est ça l'essentiel du but de la création. On a été créé pour recevoir les plaisirs du monde futur.
On a été créé pour ressentir la Kadosh Baruch Hu. Il est ratzon v'atachem que chacun on puisse amash travailler sur nous, de casser notre colère, de transformer notre colère en miséricorde, de transformer notre colère en pitié. Et ça, on peut le faire que par la Emouna. Que par la Emouna, que c'est cette situation que tu es en train de vivre, c'est Hachem qui l'a organisé pour ton bien, c'est pas ta femme, c'est pas tes enfants, c'est pas le policier, c'est Akadosh Baruch Hu. Cette Emouna, on peut y accéder que par la recherche du tzadik. C'est le tzadik qui nous donne la Emouna. Et pour accéder au tzadik, il faut calmer sa colère. Donc c'est un cercle qui va ensemble. Plus je vais calmer ma colère, plus je vais transformer ma colère, plus je vais avoir accès au tzadik. Plus je vais avoir accès au tzadik, plus je vais recevoir de la Emouna. Plus je vais recevoir de la Emouna, plus je vais pouvoir calmer ma colère, plus je vais pouvoir avoir accès au tzadik, etc., etc. Et ainsi, le Tachem, en ayant accès, c'est-à-dire qu'on a accès au plaisir du monde futur. Quand on a accès au plaisir du monde futur, alors on vit déjà un paradis sur Terre, parce qu'on sait que tout ce qui nous arrive, ça provient de l'amour d'Hachem, tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Le Tachem, est-ce que vous voulez qu'on continue encore un peu l'écouter Moran, ou on continuera, le Tachem, on continuera dimanche. Je vous écoute. Qui te fait plaisir, Ilan, ce que tu veux faire. Je vois si c'est pas trop long, la Zahin. Moi, je reste si tu veux, parce que j'ai eu un coup de tête. Alors, on continue encore un peu, les amis. On reprend, coupez les micros, on continue encore un peu. Écoutez, moi, ouais, on continue à la Zahin. La Zahin, les amis, on avance. Et le but de toute chose, donc les buts, les plaisirs du monde futur, que Rabbeinu dit dans la Torah, d'Aled, du Likutei Moran, Trelekcheni. Que l'essentiel des plaisirs du monde futur, c'est qu'on va faire que remercier Hachem. Il y aura un extase comme quand on va à Ouman. Pourquoi on va à Ouman? Parce que là-bas, on fait que remercier Hachem, on fait que louer Hachem, on est que en train de chanter Hachem, et on sent un plaisir qui annule tous les plaisirs de ce monde-là, tous les mensonges de l'argent, des femmes, de la nourriture, tout s'annule devant le plaisir de la louange à Hachem, quand on sent la proximité à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est les plaisirs du monde futur. Et le but, il s'appelle, les amis, Techelet. Le bleu azur qu'on met dans les tzitzit. Qui a été Techelet, Me'orav Shachor im Lavan. Parce qu'en réalité, le Techelet, la constitution de ce bleu azur merveilleux, eh ben, c'est un mélange en fait, de noir et de blanc qui va constituer cette couleur du Techelet. Ve'u Gaven, Sheben Shachor Lavan. C'est une couleur qui est intermédiaire entre le noir et le blanc. Ukshin Traber, Shachor Lavan, Kmo Aktav, Shobechinat Shachor Al-Gabe Lavan. Lorsqu'il va y avoir une union entre le noir et le blanc. Comme quand j'écris sur un parchemin pour pouvoir lire quelque chose, comprendre quelque chose, si j'écris du noir sur du noir, je ne verrai rien. Non, pour pouvoir voir quelque chose et comprendre quelque chose et donner du sens aux choses, il va falloir unir l'obscurité, le noir et le blanc. Et c'est comme ça, lorsque je vais écrire du noir sur du blanc, que je vais commencer à pouvoir comprendre quelque chose qui est écrit. Bevadai, tartiyut, aot, adavuk, vekarov, laniar, sheu, lavan. Et Rabbeinu dit quelque chose, et là il rentre de profondeur, il nous dit évidemment, qu'est-ce qui est le plus, l'endroit où il va y avoir le lien entre le noir et le blanc, c'est pas l'endroit qui est au-dessus du parchemin, là où je vais voir quand je prends un Sefer Torah par exemple, ou une Megillah, et que là-bas on a écrit sur un parchemin noir sur blanc, si je touche la lettre noire, à cet endroit-là, c'est pas là où il y a l'union du noir et du blanc. L'union du noir et du blanc, il se fait en dessous de la lettre. D'accord ? C'est dans la face interne de la lettre qui, elle, est vraiment collée au parchemin. Donc, en dessous, la couche d'encre, la couche la plus profonde de la couche d'encre, celle où on a collé, en fait, la première couche d'encre qui touche le parchemin, et ben c'est l'endroit là-bas où il y a l'embrassement entre le noir et le blanc. C'est l'endroit exactement où il va se trouver cette chélet, ce bleu azur qui est le mélange entre le bleu et le blanc, où va se dévoiler, en fait, le but de ce monde-là. À chaque fois qu'on va écrire sur un parchemin, donc c'est la première couche d'écriture d'encre, d'accord, qu'on appelle la face interne de la lettre, qui est la plus proche du parchemin, qui lui, il est blanc. C'est là-bas où il y a le plus fort mélange qu'il va y avoir entre l'encre et le parchemin, où il y aura la proximité entre le noir et le blanc, qui est le techelet. Metartiyut a hot ou a sov et a tachlit. Shalaktiva. Il nous dit, et la face qui est interne, donc la face la plus basse de l'écriture sur le parchemin, d'accord, c'est la fin en fait, c'est la partie la plus basse, la partie finale qui est la plus à la fin de l'écriture, et c'est elle qui est le but en réalité de l'écriture, car lorsque le sofer, qui est à sofer, kotev, ou ma'amid akane, ve'aet imadio alanyar, quand le sofer, maintenant, il va prendre sa plume, d'accord, qui va la tremper dans l'encre, et qui va maintenant commencer à la positionner, sa plume, son stylo, d'accord, il va le mettre sur, avec l'encre, sur le parchemin, ve'vadai adio, Rachok me'aniyar me'at. C'est sûr que l'encre, elle est encore éloignée un peu du parchemin.
Achasofer, ma'amikaet, imadio, betor, omek, ania, beaznit, bakshachar, ou tadio, be omek, bekirou, gadol. Et qu'est-ce qu'il va être obligé de faire, l'écrivain, le sofer, le scribe, il va être obligé d'appuyer un peu avec sa plume, d'accord, et l'encre qu'elle contient dans l'intériorité du parchemin. Il va falloir que je fasse pénétrer l'encre avec la plume dans le parchemin. Et à ce moment-là, il va avoir un attachement du noir, de l'encre, dans les profondeurs, qui va rentrer très proche, de grande proximité avec le parchemin qui est blanc. Ninsa, il se trouve donc, il dira, ben non. Chez Akeru, Usof Betachlit, chez l'Aktiva, ou bien comme Akeru, Shamaneyar Veadio, M. Meoravim Vrinat Techel et Canal. Il dira, ben non, donc il se trouve donc que la proximité de l'encre avec le parchemin, c'est mamache la fin et le but de l'écriture. Pourquoi on écrit ? On écrit pour qu'on puisse lire quelque chose sur ce parchemin. Mais pour pouvoir écrire ce parchemin et qu'il soit compréhensible, qu'il soit lisible, il faut que je pousse les premières couches d'encre à rentrer dans le parchemin. Donc en fait, la première couche d'encre qui est la fin, qui est la, quand moi je vois le parchemin de l'extérieur, ce n'est pas la première couche que je vais voir de l'encre, c'est la fin, c'est la couche finale de l'encre, c'est la première que j'ai mise. Mais quand je vois le parchemin de l'extérieur, c'est la couche qui est la plus finale de la lettre. Et bien cette couche la plus finale, c'est elle qui est le but de l'écriture, c'est-à-dire c'est parce que c'est là-bas que va commencer à s'attacher l'encre au parchemin, c'est ça qui me permet de lire. Sans ça, je ne pourrais pas lire. Donc, en fait, la fin de la couche d'encre, c'est elle qui contient le but de l'écriture où, là, où je peux commencer à pouvoir lire. Et c'est là où il y a la plus grande proximité entre le parchemin et l'encre, entre le noir et le blanc, où là-bas, ils se sont mélangés dans la dimension du techelet, du but. D'accord ? Donc, en réalité, à techelet ou à tachlit ou trelet et chat em. Donc, en fait, le but et le techelet, ils sont un. Parce que dans l'écriture, quand j'écris, comprenez bien que Rabbi est en train de nous parler de tout ça, mais on a dit que les lettres, c'est avec ça qu'Hachem a écrit le monde, d'accord ? Hachem, quand on voit le monde, c'est comme si Hachem était en train d'écrire, il est en train d'écrire un scénario. Hachem, il écrit un scénario, il écrit un film, comme Yachol. D'accord ? Hachem, il a écrit un film, en parlant à Kadosh Baruch Hu avec ses lettres, il les a écrits sur un parchemin, et ça a donné la réalité que nous, on est en train de voir, c'est le scénario qu'on est en train de vivre, etc. Et donc, il nous explique, Rabbi, nous, qu'avec les lettres avec lesquelles Hachem a écrit le monde, et ben, dans la première couche où Kadosh Baruch Hu, il a mis dans le parchemin, où on met l'encre dans le parchemin, et ben, là-bas, dans cette première couche-là, qui renferme en elle le but de l'écriture, c'est que si, il faut que je pénètre la couche pour pouvoir que ça soit compréhensible, et ben c'est là-bas précisément où il y a le mélange entre le noir et le blanc, où il y a vraiment l'apparition du techelet, qui est le bleu azur, qui est un mélange de noir et de blanc. Donc il me dit, Rabbi, donc, ce n'est pas simplement une étymologie que tachlit et techelet, c'est les mêmes lettres, que le but et que le bleu azur, c'est les mêmes lettres. C'est que mamash, le but de l'écriture, qui est la lecture en fait, et ben, elle apparaît dans l'endroit où il y a le bleu azur qui va se créer, ce mélange entre le noir et le blanc qui est dans la première couche de l'écriture. Donc, c'est un match pour dire que le techelet et le tachlit, ils font un. Chez la tachlit, qui ken adavar, parce que la chose, elle est comme ça. Chez la tachlit, chez ou sauf amassé. Et là, on revient au tout début de la Torah, les amis, je vous renvoie au premier cours, aux deux premiers cours, qui est la tachlit, chez ou sauf amassé, parce que le but de chaque chose, qui est en réalité, qui apparaît à la fin de la réalisation d'une œuvre, d'accord, la chose que je vais créer, quand est-ce que le but, il va être atteint? Quand j'ai mis le dernier coup de marteau, que j'ai mis la dernière pierre à ma construction, ben là, la maison, elle est prête à pouvoir servir au but pour lequel je l'ai construit. Donc, chez Tachlit, car le but, chez Usof Amaaseh, qui en réalité apparaît à la fin de l'action, Hube Marshava Trila, avec Arob la Marshava Canal. Et bien, en réalité, il se trouve ce but-là dans la pensée initiale. Et il est très proche de la pensée initiale. Donc, en réalité, pourquoi il dit ça ? Parce que quand on a écrit, quand le scribe va écrire, c'est dans la première pensée initiale, le but, il est où ? Il est, mamash, il est dans la première pensée quand il va mettre sa plume, qu'il va l'enfoncer pour que l'encre elle rentre bien dans le parchemin. C'est le début de sa pensée. Là, qu'est-ce qu'il pense ? Il veut commencer, il commence à peine à agir. Il est dans le début de la réaction de sa pensée. Il veut pouvoir écrire quelque chose qui soit lisible. Donc, il va enfoncer d'abord la plume pour qu'elle rentre très, très profondément. Et sache qu'à la fin, il va rajouter de l'encre, il va rajouter des couches d'encre, il va rajouter par-dessus des couches d'encre. D'accord ? Donc, à tachlit, sauf à maaser, donc le tachlit qu'au final on va l'avoir à la fin quand c'est fini d'être réalisé, mais au final le vrai but il était dans la pensée initiale, dans le premier moment où il a mis sa plume dans l'encre et qu'il l'a rentré dans le parchemin, c'est là que le but il s'est trouvé véritablement, initialement c'était au tout début, dans la pensée initiale, d'accord ? Le Rabbeinu Kishia et Inyan Zeh Shel Aktiva L'Echol Amarshava Umaaseh Shadam Oseh. Donc Rabbeinu en fait il est en train de nous relier tout ce phénomène d'écriture d'un parchemin. D'accord, pour toutes les pour il relie ça à chaque pensée et action qu'un homme il est en train de faire. Rabbi Nathan, il va nous expliquer
Hamash, comment ça fonctionne, le lien de ce qu'un scribe est en train d'écrire dans un parchemin et la réalisation des pensées, des paroles d'un homme, des actions d'un homme. Nire la nuit d'Ati les Parèches, qui sauf Hamasé, ou Prinat Shacharut, ou Trilat Amarchava, ou Prinat Loben à Elion. Il nous dit, si on veut comprendre un petit peu, ramener ça un petit peu à notre image, à nous, humaine, eh bien, il faudrait dire qu'en fait, la fin de l'action d'un homme, eh bien, ça représente l'obscurité. Et le début de la pensée d'un homme, ça représente la blancheur, comme la blancheur céleste, comme la blancheur de la pensée initiale, Kayadoua, comme c'est marqué dans la Kabbalah, que la pensée, dans la Kabbalah, la Mahashava, elle est appelée Loven, elle est appelée la blancheur. D'accord ? Hachem, Loven, Sheba Moar, on regarde de la blancheur du cerveau. Dans le cerveau, il y a de la substance blanche, d'accord ? Et donc, la pensée initiale, la pensée, eh ben, fait référence à la couleur blanche. Tandis que l'action, par rapport à la pensée, on va l'appeler obscure, d'accord ? Parce qu'elle est beaucoup moins, elle est beaucoup moins subtile, elle est beaucoup moins limpide, beaucoup moins pure que la pensée initiale qui, elle, renferme en elle toute la génétique et tout le programme que tu vas faire. Là-bas, c'est limpide. Dans l'action, tu ne sais pas, une fois que c'est terminé la chose, si tu n'étais pas dans la pensée initiale, tu ne sais pas à quoi ça sert. Moi, je te mets devant toi une table, on va dire un ordinateur. Tu n'as jamais su ce que c'est un ordinateur. C'est la première fois que tu vois un ordinateur. Tu n'as pas de mode d'emploi. Tu n'es pas le concepteur de l'ordinateur. Ben, c'est obscur pour toi, l'ordinateur. Tu ne sais pas à quoi ça sert. Tu es comme dans les visiteurs quand... je ne vais pas dire les noms parce que ces noms ne sont pas jolis. Mais quand il arrive et qu'il voit pour la première fois, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, il y a longtemps, à Bonota, que j'ai vu ça, il voit les instruments technologiques, il ne comprend rien. Il ne comprend pas une voiture, à quoi ça sert. À quoi ça sert n'importe quoi de ce monde-là, il ne comprend pas pourquoi. C'est lui obscur pour lui. La fin de la réalisation de la chose, elle est obscure pour lui. Parce qu'il n'était pas dans la pensée initiale de la conception. Il ne sait pas à quoi elle sert cette chose. Il n'a pas la limpidité de comprendre le but de la chose qui est devant lui. Donc l'action finale de la réalisation d'un objet, elle est obscure par rapport à la pensée initiale qui, elle, renferme le but de pourquoi un objet a été créé. Donc en réalité, un homme, quand il va agir, là où c'est limpide, là où tout est limpide, c'est dans la pensée initiale. Dans la pensée initiale, là-bas, c'est blanc. Là-bas, c'est blanc, c'est clair, on comprend. Par contre, dans la fin de la réalisation de l'action, là-bas, c'est obscur. Si on ne t'a pas expliqué à quoi ça servait, tu ne sais pas à quoi ça sert. Donc ça, chez Safama Asse, chez Otachlit, chez Oubmarchava Trila, avec Karol Amarchava, Oubrina Techelet, chez Oufibour, Chachor, Velavam, Gaven. On dit Rabbi Nathan, il se trouve donc que la fin de l'action, d'accord, qui au final, c'est le but. Au final, tu voulais faire une action, une fois que tu as fini de la faire, tu as atteint ton but. Et bien, en réalité, ce but, Oubmarchava Techela, ce but, il était renfermé dans la pensée initiale des Karol Amarchava. Et il est très, très proche de la pensée initiale, même si maintenant, c'est plus. T'es loin de ta première pensée avant. Imagine le bonhomme, il veut créer cet ordinateur. Il est à penser. Après, il s'est passé des semaines, des jours, des semaines, des mois pour le réaliser, pour le construire. Donc, tu te dis, c'est éloigné la pensée de l'action. Non, la fin de l'action, une fois que tu as obtenu ton objet qui est terminé, ton ordinateur est terminé devant toi, eh ben, en réalité, maintenant, tu es très proche de la pensée initiale, de ce que tu avais imaginé au début. Et donc, il y a une union entre la fin de l'action et la pensée initiale. La fin de l'action, c'était le noir. La pensée initiale, c'était le blanc, on a dit. Donc, le noir et le blanc s'unissent, ça fait le bleu azur. C'est le techelet et c'est le tachlit, c'est le but. Le but, c'est quand il va avoir une union entre le noir et le blanc. On peut faire une petite parenthèse et peut-être dire comme ça, quand une personne, elle arrive, ça c'est personnel, c'est ni le Rav, ni Rabbeinu, ni quoi que ce soit, mais quand une personne dans sa vie, grâce au tzadik, elle arrive à pouvoir arriver à une union entre le noir et le blanc. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a plus de différence entre le noir et le blanc dans sa vie. Il arrive à comprendre que tout, c'est Akadosh Baruch Hu. Que mamash, les bons moments de sa vie qui sont blancs, les mauvais moments de sa vie qui sont noirs, d'accord ? Eh bien, de comprendre qu'en réalité, tout, c'est Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, tu reviens dans le tachlit. À ce moment-là, tu reviens dans le but. On a dit que le tachlit, c'est le mélange du noir et du blanc. Eh bien, à ce moment-là, quand tu es capable d'unir le noir et le blanc dans ta vie, qu'il n'y a pas des fois j'ai du noir, des fois j'ai du blanc. Non. Tout ça, c'est un. Tout ça, c'est que Hachem. Tout ça, c'est que l'amour d'Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, on peut être dans la dimension du but du monde futur, qui sont les plaisirs du monde futur, qui sont le remerciement à Hachem sur chaque chose, sur le bien comme sur le mal. Et Ratzon Bet Hachem, Sheniske, les Tkarev et Tzadik, Sheniske, les Emunah Shlema, qu'on puisse avoir une foi totale, qu'on puisse déraciner la colère de notre cœur, Bet Hachem, accéder aux pierres précieuses qui sont enfermées dans chaque épreuve de colère, qui sont des épreuves de Emunah. C'est la Parnassa qui dépend de ça. Et les vraies pierres précieuses qui sont d'accéder à la lumière du Tzadik, qui se cache dans la colère, des éléments de colère de notre vie.
et en accédant au tzaddik, qu'on puisse encore plus augmenter notre émouna et accéder au plaisir du monde futur, de voir que tout est pour le bien, Hashem, et pouvoir remercier Kadosh Baruch Hu sans cesse, et Bessimcha, Tamid, Chazak, Benetrazek.